sable mouvement de l'orgue de barbarie, régulier et précis, on laisse des morceaux de nous derrière, on les retrouve devant. On se voyait enfin presque débarrassé de ces morceaux de nous. Une spirale, on vit dans un manège, on vit dans un manège. Nous sommes le mouvement de l'orgue de barbarie, régulier et précis, et chaque note nous éloigne, et chaque note nous rapproche de ces morceaux de nous. On se voyait enfin balancer sur la route tous ces morceaux de nous. Frédéric et Melba s'étaient rencontrés chez France Coiffure. Melba lui avait dit « Votre moustache semble douce sous vos doigts. » Ne voulant pas flatter sa vanité, Frédéric avait répondu « Je vous donne 7 sur 10 et je suis généreux. » « Ne changez-vous pas de femme comme de chaussettes, » osa-t-elle. « Je sais être fidèle à mes chaussettes. » Ils étaient tombés amoureux instantanément et avaient trouvé ensemble un modèle économique approprié. Ils ne voyaient pas comment les lignes pourraient bouger. Frédéric n'avait qu'une conscience limitée de son magnétisme. Il aurait bien aimé sortir de lui-même, être un homme politique, François Mitterrand, ou même Xavier Bertrand, ou acteur pornographique s'il avait eu la verge adéquate. Ils sentaient vaguement qu'il y avait une vie qui leur passait sous le nez. Heureusement, il y avait des week-ends sympas. Ils trouvaient souvent des bons plans sur l'internet. Ils s'étaient habitués à marcher à côté de leur pompe. Leur vie était raisonnable, conforme à la loi française et aux directives européennes. Ils votaient RPR. Ils s'étaient rencontrés chez France Coiffure.